Et maintenant, un bulgare, Denis Savenkov. Très, là aussi, un acrobatie multiple. Le travail au sol, cercle Thomas. Ici, il y a une rotation et demi. On appelle ça le twist et demi. Salto arrière tendu, enchaîné avec demi-tour, roulade d'avant. Et le double carpé enfin. Voilà donc pour Denis Savenkov qui n'est pas bulgare, pardonnez-moi, mais bélarusse. Les Bélarusses qui avaient fini en 2001, champion du monde par équipe à Gand, justement. Qui lui a déjà réussi par le passé. Très belle prise de vue là de ce travail en cercle Thomas. C'est un ralenti assez étonnant. Oui. Un gros plan sur l'appui et les pieds de Denis Savenkov pendant qu'il attendait sa notation. 9,238.